Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer Battle Sector. Alors, on était en train d'essayer de soulager la mission des sœurs, qui était globalement bien dans la merde, faut dire ce qui est. Mais les renforts sont presque là, et ça, c'est tout à fait appréciable. Lui pouvait plus faire grand chose, donc je pense qu'on va juste le mettre en surveillance au cas où. Et Carrion pouvait gagner encore une case, donc on va en profiter. Et on est trop loin malheureusement avec nos pistolets pour faire grand chose. Ici, on avait fait tout ce qu'on pouvait. Là, on avait moyen d'avancer un peu par contre, mais on peut pas se faufiler, on est coincé ici. Malheureusement. Alors, est-ce que ce serait pas plus rentable de passer par là? Je pense que peut-être que oui. Alors il y a du monde, hein, ça on le sait. Il y a probablement des chances qu'ils fassent plutôt le tour par là, donc on va surveiller de ce côté-ci et les allumer. Le cas échéant. Toi tu vas te mettre là. Et par contre tu allumes. On va aussi envoyer un coup de gros canon, même si on est un peu loin. Ah, parfait, on a réussi à les éliminer. Donc il y aura juste elles qui vont probablement essayer de voler quelque part, faire quelque chose. Alors, ici il nous restait ça à finir, mais c'était quasiment terminé. Vous pouvez aller jusqu'où? Jusque là, allez-y. On se replie avec eux. Le Tech Marine, il a 2 points, donc il peut aller au CAC. On va l'envoyer au CAC terminer cette saloperie avec sa hache. C'est quelque chose qui est dans ses cordes normalement. Voilà. Ça c'est fait. Toi, dans l'idéal, faudrait que tu traces pour soigner un petit peu, donc tu vas courir par là. Frère Kinder, il peut rien faire d'autre. Alors on avait les petites gargouilles qui s'étaient infiltrées derrière nous là, qu'il va falloir éliminer. Je pense qu'on va les allumer avec nos intercesseurs et après lancer après. Allez hop, on avance. Les Inceptors ici, ils peuvent aller jusque là, jusqu'ici même, en avant. Allez, un petit Stormbolter. Hop là, comme ça il lui restera un point d'action pour se mettre en surveillance par ici. Au cas où il y a des saloperies qui viennent par là. Le Dreadnought. Faut qu'il trace sa route. Sir Verity, ce serait bien que t'ailles aider tes copines quand même. En avant. Les Hellblasters, ils ont un petit peu souffert, mais rien de fondamental non plus. Vous pouvez aller jusque là, ça sert pas à grand chose, jusqu'ici plutôt. Alors on va couvrir les arrières quand même au cas où. On sait jamais trop ce qui peut nous tomber dessus. Alors, qui c'est qui reste? Sir Verity, il reste un point. Tu vas couvrir derrière. Et tout le monde a joué, c'est parti. Alors là, il était empoisonné, mais c'était un petit poison, ça devrait aller. Alors, par contre, ici. Elles vont déguster, l'objectif c'est dans l'idéal qu'il n'y ait que elles qui dégustent, mais ça m'a l'air d'être un vœu pieux, ils ont tellement de mouvements ces petits cons. Aïe. Oh là là, il est capable d'annihiler une unité entière quoi, c'est abusé. C'est complètement abusé.
Ok, il nous tire dessus Mistrat, ça c'est cool. Alors ce qui embête c'est eux, parce qu'ils vont très probablement essayer de nous allumer aussi. Alors il reste 23 tyrannides encore, dont des gros tas. Ok, ils se mettent en surveillance pour nous empêcher de venir, logique. Avec le Tyrannofex qui est capable de nous buter une unité par tour, ça va être compliqué de s'éloigner. Je pense qu'on va les jouer à la fin, les sœurs, on va voir ce qu'on arrivera à dégager d'ici là. Est-ce qu'en plus ils se mettent en couverture, les petits fumiers? Donc vous, on vous joue à la fin. Déjà là, il faut qu'on avance avec ceux avec lesquels on peut avancer. Il y a lui en surveillance. Lui en surveillance, donc il couvre la porte. Après on peut encaisser un tir de surveillance, c'est pas non plus fondamental. Allez, on y va avec l'archiviste. Égratigné. Hop là. Alors 6 fois 90% et là. Ouais, ça c'est mieux, je préfère. Bim! Manger chaud. Toi, t'as plus ton truc par contre, donc tu vas être obligé d'y aller et d'encaisser la surveillance de celui-là. Même pas, il a une surveillance trop courte. Allez, on dépote. À la tronçonneuse. Moins efficace que l'épée de l'archiviste, hein. C'est quoi qu'il a lui? Épée de force, ça fait mal l'épée de force. Hein. Alors là on peut avancer avec eux du coup. Alors mon objectif hein, c'est d'essayer de nettoyer au maximum cela pour que elle puisse se replier et que ce soit eux qui encaissent un peu, même si je pense que c'est encore une fois un peu un vœu pieux. Là, il y a de la surveillance ici. Est-ce qu'il serait pas à portée de grenade complètement? Allez, go! Défoncez-les! Ah oui, non, c'est vrai que c'est la grosse grenade qu'ils ont. Bon bah, défoncez-les comme vous pouvez. C'est pas grave. Ici, on a une escouade d'assaut. On a frère Arturo qui va courir. Alors là on peut quand même avancer avec eux, quitte à se prendre un tir, hein. On s'en fout un peu. Même pas, je sais pas où ils ont foutu leur surveillance. Si on peut dégager ce chemin là, ce serait l'idéal, voilà, parfait. Ici, si je me mets là je vais bloquer le chemin, donc d'abord on va avancer eux. ...42% de chance parce qu'ils sont couverts. Ok, donc tant pis. Toi par contre, tu devrais pouvoir faire quelque chose. Ils sont semi-couverts aussi, dommage. On est quand même capable de leur faire un peu mal. Du coup ici, on va courir. Alors là, on est capable d'aller quand même relativement loin. Vous allez ici. Et en avant. Flinguez-les. Voilà, quand même un peu d'efficacité. On se replie. Bah voilà, quand on vous énerve un peu, ça marche mieux. Dis-le, il n'y a plus trop d'ennemis par là, hein, donc on va se finir... Ah là, il est hors de portée, zut. Et là aussi. Bon bah tant pis du coup.
Ah oui, c'est des séraphines avec des petits flingues, pardon. Tournez-vous. Il en reste 4. Ah oui, c'est vrai, il restait elles. Elles sont pas engagées, étrangement. On va donc envisager de les reculer, même si là, je pense que là, pour le coup, elles vont le déclencher. Ouais, voilà. Mais elles ont survécu. On va donc activer ça et les allumer. Bon, c'est pas dit que elles s'en sortent au prochain tour, mais au moins elles auront fait le taf. Alors ensuite, à nous. Vous, au prochain tour, vous avez votre jetpack, donc vous avancez le plus loin possible. Ici, pareil, prochain tour, le jetpack, c'est parti. Toi tu peux avancer jusque là, donc t'y vas. Alors le char, par où il peut passer? Il pourrait faire le grand tour, mais c'est tout naze. Je pense qu'on va plutôt l'envoyer en frontal par là. Essayer de prendre cette petite rampe. Le dreadnought, il va le plus loin qu'il peut. My faith is strong. Pas besoin de soigner ça, c'est bon. Alors là on court, hein. C'est clairement le thème. Il restait quelques petits points d'action pour mettre un peu de surveillance en cas de besoin vraiment. Ok, voyons voir si on arrive à sauver quelques sœurs de la mort. J'avoue que j'ai des doutes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il vient mettre un gros coup de pique, parfait. Au moins il prend de la place, c'est le principal. Lui vomit une unité supplémentaire, parce que pourquoi pas. On peut rien faire contre lui. Oh là là, il est quand même à portée pour son attaque de l'enfer quoi. C'est assez complètement ouf hein. Faut qu'on se débarrasse, même eux qui vomissent des trucs qui sont moins chiants quoi. Ah il y a encore des petites saloperies derrière, ça c'est pas très gênant. Elle a survécu, putain, impressionnant. On va la replier, puis elle va gentiment plus rien faire de sa vie si elles sont encore en vie. Non mais allumez-les, vous êtes sérieux, mais oh là là, ils étaient en train de s'envoler. Bon, ils vont la finir, je pense. Ouais, ils viennent se mettre juste là. Ouais. Il nous en reste deux vivantes, c'est bien tendu, hein. Bon, eux ils vont encaisser, ils sont là pour ça, c'est pas un problème, ça me fait pas peur. En plus, ils viennent au cag donc ils vont se faire cramer la tronche. Bien! C'est quand même un petit peu la merde. Alors, déjà vous, vous pouvez aller jusqu'où avec vos trucs là? Vous pourriez aller finir ça, mais c'est un peu cher payé. Vous pourriez aller dans le tas là. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à choper ceux-là de dos. Donc, ok, donc pour l'instant, vous faites rien.
On va essayer d'éliminer un peu ça là, plutôt. L'archiviste. Il va aller faire preuve d'un petit peu de bonté. Alors, à voir, c'est une version de Sanguinus qui terrifie tous les ennemis. Elle inflige 20 dégâts à toutes les unités ennemies, 18-25 à toutes les unités ennemies. Ah, bah c'est pas mal, on pourra l'envoyer dans le tas, mais pour l'instant, lui, il est là pour défoncer un peu ça. Voilà, même si ça reste relatif, hein, on est d'accord. Ici. Repliez-vous par là, parce qu'il y aura du monde pour vous aider. Et démontez-moi ça. Voilà. Vous, c'est pareil. Horde de portée. Ah, c'est des séraphines. Il me reste plus que des séraphines en fait. Très bien. Là, eux, on leur crame la tronche. Alors du coup, vous, ça m'arrangerait presque que vous gériez ça, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Après, elles sont en pleine forme, elles. Hein. Donc elles sont quand même pas non plus trop dans le mal. On va se mettre par là, vraiment le plus loin possible de ce foutu Tyrannophex. Et vous me finissez cette petite unité. Voilà, parfait. Du coup, ça va être à vous, je pense, de terminer ça. De faire un petit peu de place. Tant pis. Alors, si je me mets là avec un Léon, je vais me faire. Je vais me prendre l'attaque de front. Donc, la priorité, ça va être de faire le plus mal possible à celui-là, très clairement. Vous allez aller par ici, parce que vous occuperez de ça. Eux, ils ont leur jetpack d'actif. Allez, c'est parti. Faut nous défoncer ces cons, les Hellblasters sont hyper loin derrière, forcément ils se traînent. Hein. Toi, tu peux améliorer leur capacité. C'est vous, vous. Faites la place aux copains. Là, et toi, tu vas. Les booster un peu. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, 122 de dégâts, c'est pas mal. Donc je me concentre sur eux. Eux, ils sont pas sans danger, hein, mais je me concentre sur celui-là, parce que c'est lui qui peut one-shot des trucs un peu trop facilement à mon goût. Ici, c'est pareil, on a chopé ça. Alors là, on va plutôt aller par ici. Commencer à endommager ça. Alors qui on a ici? On a frère Kindar. Alors toi, il y a un petit soin à faire par là, c'est parti. En avant. The blood is strong. Do not falter. Et hop là, c'est parti. Allez, toi mon gars, tu traces ta route. Ici, on a le Dreadnought Furioso, il trace sa route. Sir Verity balance un petit boost et en avant. Voilà, parfait. Donc il reste lui. On pourrait aller mettre. Tanker un peu avec le lieutenant là. Mettre un petit coup de tronçon là-dedans. Voilà. Allez, riposte. Ok. C'est acceptable. Pour l'instant, en tout cas, c'est acceptable.
Toi, il te reste une action, tiens. T'as deux actions. Ok. Tant mieux. Voilà. Le Tyrannofex s'est géré et ça, ça fait bien plaisir. Tu vas revenir par ici. Le Tech Marine. Alors, d'abord les Hellblaster. Tech Marine, il va suivre le Predator Ball. Qui va arriver normalement sur le champ de bataille au prochain tour. Et c'est bon, on a joué tout le monde. Alors, est-ce qu'ils vont se focus sur les sœurs? C'est ça la question. Ok, il se replie, mais il s'est pris une petite tata, il a tenté de me tirer dessus, c'est un échec. Lui, il crache des saloperies. Il se fait un petit peu tronçonner la tronche. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de partout là? Ok, lui il a décidé de revenir vers moi. Ah là, il s'en fait tellement de dégâts de zone. Ça nous manque un peu les dégâts de zone. Hein. Allez, il va prendre. Ah, ça va, ça reste assez faible. Il va falloir qu'on les replie visiblement. Oh putain, un autre Tyrannofex dans l'autre sens, mais non, c'est pas possible. Oh, oh là 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 là. Je suis trop loin pour qu'il m'attaque là, on est d'accord. Ouais. Il en reste 16, on les diminue bien, hein, mais. Ils sont nombreux. Alors le Tyrannofex là, bon, on a les Dreadnoughts qui sont là pour gérer, ça va aider ça. Ça va bien bien aider. Alors, là ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas foncer en plein là. Voilà. Et après, je pense que tu vas nous faire ça. Pas mal. Ça fait plutôt le taf. Et plus un point d'action supplémentaire. Il va être temps de commencer à tabasser un peu ces gens. Voilà. On va s'en débarrasser, ceux-là. Par contre, il nous faut du renfort par là-bas, clairement. Go. Est-ce que le Tyrannofex là, il va défoncer la tronche? Vous allez vous replier par là, vous allez cramer la tronche également. Parfait. Alors a priori on voit rien, hein. Si je me tourne vraiment par ici, je vois rien d'autre, c'est plutôt bien. Plus un point d'action, bah oui. Carrément, on s'occupe des deuxièmes. Voilà. Alors, toi, pour l'instant, tu sers à rien ici. Tu pourrais soigner ça, mais ça me paraît pas une priorité. Je préférerais soigner eux tant qu'à faire. Est-ce qu'ils peuvent éventuellement faire un petit truc, lancer une petite grenade pour finir un de ces groupes là, et après ils se replient. Voilà, et donc vous allez revenir jusqu'ici. Et toi, tu viens là et tu les soignes. Voilà, c'est pas parfait mais c'est toujours ça de pris. Ici, vous servez à rien contre le Tyrannofex très clairement. Alors toi, t'as un lance-flamme lourd. Je suis pas sûr que ça soit hyper optimal. En plus c'est trop loin. Ça fait quoi ça? Deux de perforation d'armure, ouais bah go hein. Ouais, c'est vraiment
histoire de dire, mais bon, au moins ils vont être capables de tanker un peu normalement. Eux ils me gênent en fait, je les ai mal placés. Ils me gênent un peu. Parce que c'est pareil là. Le problème, c'est que c'est pas avec mon Stormbolter que je pourrais faire grand chose contre lui. Alors, Sœur Verity, elle a peut-être moyen de faire des trucs par contre. 30 d'impulsion, est-ce que ça permettrait de donner une action supplémentaire à quelqu'un? Peut-être à lui. Ce serait pas forcément très utile, il serait... Non, il serait à 95, il serait pas à 100. J'ai pas vraiment moyen de faire mieux. Alors du coup, tu vas venir là. Allez, go. C'est histoire de donner de faire un peu de dégâts, hein, que je sais qu'on va lui faire des dégâts jusqu'à ce qu'il lui reste genre 2 PV, donc tant qu'à faire, autant essayer de faire tout ce qu'on peut sur sa tronche. Alors elles pourront jamais rien leur faire par contre. Ça pourrait donc être intéressant de les replier. Il en reste 13 et on n'en voit pas 13. Hein. Je sais pas où sont les restants, mais... Normalement ça compte pas ceux qui sont éventuellement gerbables par les tergivones là. Là si je recule, ça sert à rien de reculer, mais... Voilà, comme prévu il leur reste un tout petit peu de vie. Vous, vous pouvez pas percer ça, c'est pas possible. Là par contre on peut... Allez, allez, allez! Oh, vous êtes sérieux! Il était un petit peu trop proche, je pense. Ok, toi! T'es pas encore prêt à te pointer dans la bataille. Là, on a quand même quelques chances de faire des dégâts. Suffisamment 13. Voilà, ok, ça c'est fait. Parfait. C'est toujours ça de prix. Ici, c'est hors de portée. Donc on va couvrir si jamais il essaie d'avancer pour taper. Vous, vous reculez. Je m'en fous de où, mais vous reculez. Allez, les Hellblaster. Oh là là, on est tellement loin, c'est un truc de fou. On va y aller à la couverture. Hein. On voit super mal, forcément. Vous pouvez me tirer dessus, vous? Ouais, mais vous faites zéro. Vous faites zéro de dégâts, forcément. Tant pis. Si jamais on arrive à le submerger, ça pourra quand même permettre de sauver un peu. Toi, tu vas aller par ici. Ouvrez l'arrière, vous. Alors toi t'as peut-être moyen de mettre un tir, tu vas être un peu loin. Oh ça va. Bon, c'est les dégâts du pauvre, on va pas se mentir, mais ça fait le taf quand même. Ici, est-ce qu'on termine celui-là? Il lui reste 2 PV. Allez, un petit coup de flingue, voilà. Et après on y va à la tronçonneuse. Voilà. Ah oui, il y a un archiviste planqué sous ce tas de cadavres, j'avais oublié lui. Bon bah du coup lui s'il essaie de bouger, l'avantage c'est qu'on devrait le défoncer. Par contre il regagne ses 50 PV à chaque fois là. Alors la tronceau. Hop, la petite épée de force, il continue de se barrer. Ok, bon bah on lui a fait moins mal que j'aurais espéré. Mais bon, il consomme ses PA donc il fera rien d'autre. Alors lui par contre, on l'a supprimé, ça c'est bon ça.
Ça c'est très très bon ça. Elle est quand même à portée, mais normalement avec notre boost de dégâts, de points de vie, voilà, on est très très fort. On va pouvoir le défoncer, c'est parti. On le termine avec un petit lance-flamme lourd. Même pas, il reste un PV. Un PV quoi. Bon bah tant pis. C'est frère Kinder qui s'y colle du coup. Allez hop. Voilà, bon bah du coup c'était un petit peu over abuse, mais c'est comme ça. Alors par contre du coup ils sont où les 10 qui restent? C'est la question qui se pose. Vous allez là, toi tu soignes. Allez hop. Il en reste donc 9. Merde. Où est-ce qu'ils peuvent être? Ah là, ça va être chiant ça s'il faut les chercher. Et bah on va aller les chercher hein. C'est parti. Vous voyez une petite escouade par là-bas un peu tanky. Ah, on a un exocrine ici déjà, très bien. Rien comme dégâts avec ça forcément. Du coup, on va envoyer l'archiviste. Il va faire le taf lui. Carleon, il va rester dans le coin parce qu'il va falloir qu'il se soigne. Alors, frère Kinder, est-ce que tu voudrais pas avancer un peu des fois que tu détectes quelque chose? Ok, ici on a quoi? Un primordial. Alors, il peut essayer de venir par ici, donc on va l'attendre par là. Oui, ils ont perdu un petit peu de vie, mais rien de fondamental non plus. Eux, on va les envoyer par ici, parce qu'avec leur jetpack, après, ils seront capables d'aller un peu n'importe où. Ok, on a du Gen Stealer derrière. Parfait. Non, vous allez pas vous mettre en surveillance, vous allez aller le plus loin possible. Les squads d'assaut en pleine forme, Hercule. Eux, ils sont là déjà. Lieutenant Carleon, il va avancer jusqu'à notre ami. Lui, on va le laisser en hauteur. Pour voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement se cacher par là. Allez hop. Alors les intercesseurs, on va les remettre là. Les séraphines. Et bon, on les file un coup de main à eux là, histoire qu'ils soient un peu en soutien. Vous par ici et vous, j'aimerais bien du coup que vous montiez, et vous aussi d'ailleurs. Ah, on va juste faire tout le tour là. Ah, c'est pas grave, on va faire tout le tour. Alors, on a tellement pas de soins quoi. Faut soigner ici, faut soigner là. Ouais, bon, la priorité ce sera les Hellblaster. Alors là on avait les séraphines, bah ils vont avancer d'une case. Toi mon gars, fais-nous un peu tanker notre prédateur ici. Je sens qu'il va foutre un tir en plein dans les séraphines et qu'il va les one-shot quoi. Je le sens gros comme une maison. Mets-toi en surveillance des fois qu'ils avancent. Et toi, je pense que tu vas avancer d'une case.
Parce que ça sert à rien en fait que tu sois aussi loin. Ok, on a des gargouilles par là. On les découvre petit à petit. Ah, il reste des gens. Ah oui, il reste lui. Bah avance par là toi. Fais de la place pour les copines. Comme on dit. Alors, on les a activés. Ils devraient venir un peu vers nous. Ça va être plus facile du coup. Ok, ils nous contournent. Ok, très bien. Ils se mettent en surveillance. C'est surtout l'exocrine, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente un peu sa précision et il recule. Il recule assez loin pour pas nous tirer dessus, s'il nous tire dessus quand même. Sur qui il tire? Sur le Predator, ouais, ça va. Et c'est tout. Lui, là, on les a pas activés. Intéressant. Alors, sachant que nos escouades d'assaut, c'est clairement pas les meilleurs pour faire le job ici. Hein, parce que même les Gen Stealers, là, ils ont trop d'armure. Donc on va avancer avec nos unités. Il va falloir qu'ils viennent un moment. Ils vont pas ouvrir, vous m'avez dit, hein, ils ont une très bonne perforation d'armure avec leur attaque, les Gen Stealers, mais ils sont pas prêts d'ouvrir Frère Kinder en deux, comme dirait l'autre. On va même se payer le luxe de faire une attaque. Voilà. Maintenant venez. Et ici, on peut y aller avec une grenade. Non, c'est pas intéressant. On essaiera de la caler sur une unité full life si on peut. Par contre, on va se mettre en surveillance par ici. Des fois qu'ils décident de descendre. C'est que des unités de corps à corps, ça. Alors, si on l'envoie, eux, ils vont se faire dépiauter. Donc, on va les mettre ici plutôt. Vous pouvez balancer une petite grenade? Oui, c'est pas mal déjà ça. La petite grenade perce armure là. Voilà, comme ça on va voir s'il se fait activer ou pas. Et vous, vous allez protéger juste la petite rampe. Alors, ici, on soigne ça. Voilà, Serverity est court. Là, on va courir également. Je pense qu'il y en a au moins un qui va essayer de venir se faire le Landspeeder, mais il est un petit peu trop efficace entre guillemets pour eux. Il est trop loin et il va leur faire suffisamment mal pour que ça leur coûte cher. Là ils sont trop loin, on est d'accord. Hein. On pourrait faire un peu mal à ça. 62 dégâts, si on arrive à caler, c'est toujours ça de prix. Voilà. Là, on va se mettre en surveillance par contre. Là, je pense qu'on est trop loin. Oh, 67%, c'est pas si mal. Allez, go. On prend. Comme d'hab, il lui reste 13 PV. Il reste eux, mais par contre, eux, c'est mort, ils pourront rien faire. Alors, là on a les Hellblasters qui courent par ici. Là on a eux qui sont capables de tracer un petit peu. L'archiviste, il peut aller sur le côté là. Coucou. Bim, bim et bim. Voilà, ça fait le taf. Par contre, il a pas gagné d'impulsion, c'est un peu triste. Il gagne de l'impulsion quand il fait quoi? Ah, lorsqu'elle tue l'ennemi. D'accord, dommage. Alors là, on va avancer pour prendre le tir. On sait qu'ici, il y a des petites saloperies de gargouilles. Qu'on pourrait aller chercher avec elles. Où est-ce que je les mettrais ici par exemple? Je sais plus où elles sont mis. Ah, elles sont juste derrière là, merde. On peut aller là par contre. C'est pas les gargouilles à elles seules qui vont faire mal aux séraphines, hein, clairement. Allez.
Ah, ce combat en vol là. Ça, c'est beau. Hop. Pour le plaisir. J'avais pas fait gaffe qu'elle restait en suspension une fois qu'elles avaient activé leur truc. C'est assez classe. Malheureusement, lui, il est un petit peu trop loin. Il faudra deux points d'action pour arriver sur lui. Alors ici, par contre, on va être capable de leur faire bien mal. Allez, go. Ici, on soigne un petit coup. Alors, eux, donc, ils servent plus à rien, ils nous feront plus rien, hein, c'est fini. Ils sont trop loin, ouais, ils sont trop loin. Les Inceptors, ils vont tenter un petit tir là-dessus, même si ça va être très loin pour eux. Ah non, c'est trop loin pour eux, dommage. Dommage, dommage. Du coup, c'est pire. Et ils ont déjà bougé en plus. Alors, le Land Spider, pareil, il fait ce qu'il peut, mais il est un peu loin. Hop. Les squads d'assaut, bah c'est pareil, c'est moyennement utile on va dire. Il en reste 9, on n'en voit pas 9. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et là-bas on en voit 3, c'est ça. 7, 8. On en voit 8 pour l'instant, donc il y en a un planqué quelque part encore. Fait chier. Carléon, tu vas rester ici parce que tu prends le heal lors du prochain tour. Donc pour l'instant... tu restes là, voilà, dos à dos avec notre copain ici. Et on va voir un peu ce que ça fait en face. Ça y est, il s'active. C'est bon ça, ils ont réussi à faire juste ce qu'il fallait de dégâts pour finir le primordial là. Les séraphines, mine de rien. En train de tirer parce qu'elle est assez classe la sœur Verity quand même. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve classe. Presque dommage qu'il y ait un mur là. Avec les flammes on voit rien. Ah souris, suffit un peu. Ok, c'est fini. Bon, par contre, on a utilisé quasiment toutes nos surveillances. Le frère Kindar va probablement se prendre une petite attaque. Ah, c'est vrai qu'elle avait deux actions, elle. C'est bon ça. Alors, ils ont utilisé un PA pour avancer, donc ça leur sert à rien. Alors là, c'est la retraite. Ah, là voilà le petit dernier, parfait. Pour aller défoncer. Oh, ça leur fait tellement rien quand elles sont énervées les séraphines. Fallait vraiment un tyrannoflex pour les énerver. Bon par contre eux, je sais pas vraiment si c'est un bug ou quoi, mais quand ils s'envolent, la zone de contrôle, même avec des unités qui tirent, elle se fait défoncer. Bon les unités qui restent en vol là, ça c'est un bug par contre. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il essaie de reculer. Il se fait découper la tronche. Il tente l'attaque de repli mais il se fait buter, il se rate. Il me semblait qu'en repli on se prenait pas d'attaque. C'est peut-être une erreur de ma part. Alors, du coup le repli sert peut-être juste à avoir une attaque un peu près potable. Ok, lui c'est terminé, ça c'est très très bon ça. Alors, il nous reste ça à terminer. Quoique 5 restants. Ah, il y en a un là aussi. Allez, bing.
ça c'est fait. On fait moins les malins déjà. Alors on va le mettre planqué par ici. Toi tu vas aller par là. Toi par ici. Il reste un là, 4. 4 c'est trop encore. Ah non oui c'est vrai qu'il y a les petites merdes là qui ont survécu. Notre escouade d'assaut, elle est trop loin pour s'occuper d'eux. Hein. Ouais. Par contre elle pourra s'occuper de ça éventuellement. Pourquoi pas, on va le faire. Ah par contre nous ils nous touchent. Hein. Allez pour une fois vous y allez à la tronçonneuse pour le plaisir. Voilà. Elles ont une vengeance à prendre sur les gargouilles. Hop là. Bon. Bim. Le petit tir qui tombe à l'eau quoi. Allez c'est parti, on contourne. Bon l'archiviste on se souviendra que c'est hyper fort. Hein. Ah, on a activé la surveillance. On s'en branle complètement. Ah ouais, au corps à corps il fait mal lui. Hein. Allez, c'est pour toi mon gars. Pour le plaisir, un petit coup d'épée. Voilà, regardez-moi cette classe absolue. Avec sa magnifique épée de force. Bon, on a sauvé que deux sœurs, hein. Il n'y a pas non plus de quoi pavoiser. On va pas se mentir. Ok, on va tenter de mettre des petits coups histoire de dire. Alors, je peux pas aller là, c'est dommage, tiens. Bah, eux, on va attendre pour l'instant. Éventuellement, ils iront. Là, on va faire hop des petits bonus de dégâts parce que ça mange pas de pain. Et le reste, on passe. Ok, il passe par l'endroit où il y a le plus de surveillance, c'est parfait. Avec les flingues, je m'attends pas à beaucoup de dégâts. Ouais, sans surprise. L'hémorragie est endiguée pour l'instant, le flux va recommencer si la plaine n'est pas cautérisée. Et on a que deux objectifs bonus. Où allons-nous pouvoir les arrêter? Le canyon de la Wine River, le Xenos peut y être tenu, mais cela vous coûtera cher. Notre vie dépend de celle de l'Empereur, nous les bloquerons au canyon. Supérieur Verity, vos sœurs ont besoin de votre aide ici, votre aide est inestimable jusqu'à présent, mes frères et moi devons poursuivre seuls. Oh bah non! Quand même, c'est pas gentil. J'ai été chargé de mener à bien votre mission, lieutenant. Je n'ai pas l'intention de faillir à la chanoinesse ni au commandeur Dante devant les seigneurs Primark. Et il a foi, mes sœurs persévéreront avec ou sans notre aide. Et je n'aurai de cesse que Baal Secondus ne soit débarrassé de l'infection de Xenos. Ok, elle va rester avec nous, parfait. Bon bah ça fait un bon épisode, on a des nouvelles unités, parfait, c'est quoi? Ah bah ça doit être les Séraphines, ouais les Séraphines. Ouais c'est pas fifou hein, enfin avec leurs deux pistolets bolteurs elles sont pas mal mais c'est quand même cher pour pas grand chose. Ouais quoi que c'est que 45, je crois que c'est... Non, c'est leur PV ça. 45 points, c'est pas si mal. On a quand même que 20 unités donc est-ce qu'on voudrait enlever des trucs pour mettre les Séraphines? On verra, je vais regarder ce qu'on peut éventuellement leur mettre comme amélioration et on se retrouve lors du prochain épisode pour regarder ça. Merci à toutes et à tous.